Eh bien bonjour à tous les amis, ici Mr Gaming French, ou alors la page pour les intimes, et je suis en compagnie aujourd'hui pour cette nouvelle session de Valmore 333. Bonjour à toi mon cher Valmore. Bonjour à la page. Alors je dirais que c'est un plaisir de me retrouver dans cette émission avec toi, hein, pour cette nouvelle session du Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, hein. Oui. Mais non, on va pas parler comme ça. On n'est pas des petites salopes non plus. Enfin si, mais pas à ce point-là. Non, c'est notre boobs sur pattes. Oh la vache salope. Oh la vache. Mon cochon. Un coup de main. J'ai plus de munitions. J'attaque. Oh, il a utilisé sa corne! Aidez-moi, saloperie! On arrive! En coupé en morceaux! Oh, il y a un gros du gros là! Ah, c'est toi ça! J'ai cru que c'était les elfes! Moi, plus personne! Oh, c'est beau! Attends. Boum. Oh. C'est monté d'un niveau. Certes. Ah, il nous matraque. Il faut les poutrer. Il en reste. C'est bon, poutre-le. Oh, les pieds. Les pieds, mon cochon! Carreusement. Le petit nain sur l'arbalète montée. Bon, eux, ils font quoi, les boulgoresques, là? Ils se barrent? Et nous? Je veux passer aussi! Le corps du Gondor. Oh, mon cochon! Oh, il y a du monde! J'arrive! Le seul problème avec les arbalètes montées que je trouve qui est dommage, c'est que tu gagnes pas d'XP en poutrant avec les arbalètes montées. Ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va y aller au corps à corps, mon cochon. On y va. Poutrure. On s'en fout, on se les fait tous. Y'a des gobelins. Explosé en morceaux, il m'a donné une potion. Ah, elle a fait un sanctuaire, ça c'est gentil ça. M'en fous, je n'ai pas besoin. Ils descendent du mur, mon cochon. Sectionnement légendaire. Oh putain. Ah merde, j'avais pas vu. J'espère qu'elle va venir te donner un coup de main. C'est bon. Retournons à l'action. Un coup de main, mon cochon, s'il te plaît. Oh la vache. Y'en a d'autres. Mort critique. Oh, ce qu'on leur met, ma salope. Boum. Oh la vache, le monde. Oh. Niveau 5, mon cochon! C'est beau ce que tu nous as fait! Oh! Vite! Elle est toute seule, Andrielle. Sectionnement critique. Et comme je viens de le dire, vous affrontez un ranger! Bah, il a dit vous affrontez un Dunadan. Ton monsieur. C'est bon ou il y en a d'autres? Là-haut. J'ai plus de munitions, moi. Je vais essayer de faire des dans le mille. Ça me rapporte de l'XP.
Non, pas dedans le mille. Ah. Ouh. Ça c'est du bon ça. Viens là mon cochon, viens là ma salope. Viens là, je te veux, je te veux, je te veux. Je m'occupe des autres moi. Oh, c'est beau. Il est pas mort, putain, il est coriace. Oh, il est encore pas mort. Oh. Vous avez fait maintenant. Putain, il a pris cher. Bon, attends, je suis monté en niveau. Moi aussi. Je vais me donner du petit point en plus. Résistance et volonté, ça pourrait être sympa. Ouais. Une compétence. Alors. Et ma force. Augmente les dégâts provoqués par les armes de combat rapprochées à deux mains. Allez hop, augmentation des dégâts à deux mains. Alors. Comment il marche, mon nain? En fait, on n'a pas eu de nouvel équipement. Non. Ah, j'ai des équipements là, je vois qui sont. J'ai de l'équipement qui est bientôt. Qui a bientôt plus de durabilité. Alors, il faut savoir, chers amis, et pour toi aussi à la page, quand un équipement a plus de durabilité, il n'est pas détruit, contrairement à par exemple Oblivion, je pense. Ouais, ouais, c'est quand vrai. Il n'y a plus de durabilité, il n'est pas détruit, c'est juste qu'en fait, il est presque inefficace. Il faut que tu et le répares absolument. Ça vaut également le. Ça vaut également pour Skyrim avec un mode. Oui, oui, tout à fait. Putain, faut les poutrer, c'est quoi, faut pas aller les voir, mon cochon, faut les faire à distance, ceux-là. Ils explosent. Vas-y, tire. L'inconvénient de ceux-là, c'est que. Ils te rapportent rien en XP. Par contre, ils te donnent des potions en échange. Oh putain, moi. J'ai augmenté mes compétences à l'arc. N'approche pas, mon cochon, tu risquerais de te faire mal. Oh, il y a des carreaux là, il doit y avoir des flèches pour toi. Ah ouais, j'en ai plein. Ouh la vache. Aïe 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 aïe. Je me suis poutré. Ouh. Oh la vache, il y en a trop. Des potions. C'est bien, c'est toi mon cochon qui tire. Ouais, ouais. Attention, tu m'as poutré. Une petite potion. C'est bon ? Y'a pas de secret pour toi ? Ou pour moi ? Non, j'en vois pas. J'ai pas vu de secret. Attention, je poutre le truc. Oh là ! C'était juste là, hein. Rassemblez votre équipe. C'est parti ! Ouh ! Alors lui, putain. Je monte à l'étage, mon cochon. Putain, il s'est protégé, le con. Je vais courir à fond la caisse. Couvre-moi. Ouh la vache, ça tire de partout. Aïe. Aïe. Putain. Oh, il y a du monde là-haut, si tu peux venir me donner un coup de main après. Où ça? Oh, je suis blessé. Non, c'est bon, je me suis mis de la potion. Putain, il fait mal, l'enfant. J'arrive, je vais bien t'aider. C'est toi qui tire là? Non, ça doit être Andriel. Tiens! Je crois qu'il reste le gros, il est pas mort. Je te la laisse l'arbalète monter cette fois. T'inquiète pas, je l'ai. Mais fais attention, mon cochon, tu gagnes presque pas d'XP avec. Boum! C'est un coup à trop s'amuser avec et pas gagner d'XP. Y a un levier à côté de toi, active-le. Si je ne m'abuse. C'est un petit QTE. D'ailleurs, il y en a quelques-uns des QTE dans le jeu, chers amis, c'est sympathique. Défendez-vous. Bon oui, c'est bon. Défendez-vous, reprends l'arbalète. Et couvre-nous. Oh, ça sent pas bon cette trompette. Oh la vache! C'est ceux qui explosent, mon cochon! Vas-y, tire! Putain, y'en a qui s'approchent de nous, mon cochon, c'est pas bon ça! Oh la vache, y'en a trop! Je m'occupe de lui. Ah putain, on se fait exploser avec Andriel! J'essaie de te défendre le mieux que je peux! Ah mais y'en a beaucoup trop! Putain, y'en a un à côté de moi.
Y'en a qui sont pas tout à fait morts. Putain, y'en avait un à côté de moi là. Ouais, au bout d'un moment, ils y finissent par arriver à monter. Ouh la vache! Fou! Esquivé de justesse là. C'est bon? Ouais, viens ramasser du matos, mon cochon. Y'en a partout là. La porte est ouverte. Ok. Oh, attends, y'a du matos là pour moi. Ah, y'a plein de. Y'a plein de souks. 29 flèches. Des carreaux. D'ailleurs, j'en ai combien là des carreaux? 40. Je crois que ça s'arrête à 40, ça se bloque. C'est triste ça, je trouve d'ailleurs. Je vais fermer là-bas au bout parce que putain! Il faut qu'on ait du nouvel équipement là. C'est quoi sa capuche, Andriel? C'est manière d'avoir des. Attends, j'ai monté d'un niveau, je vais me redonner des points. Encore? Ouais, j'étais presque à la fin de mon niveau tout à l'heure. Dégâts provoqués par les armes, je remets encore un point. T'es prêt à aller plus loin? Pas de secret, j'ai pas vu de secret pour nous. Il semble pas qu'il y en ait. Non, je n'en ai pas vu non plus. Bon, bah, allez, vas-y, je te suis. Andriel est monté d'un niveau. Ah, c'est bien ça. Par là. On se retrouve enfermé, mon cochon. Ah merde. Attends, je vais le bouger avec une flèche, moi. Non, tu peux rien faire. Ils nous ont retrouvés. Les voilà. Il faut qu'on se défende. Vous ne pouvez pas supporter cette lumière. Oh, il y en a trop, mon cochon. Viens me donner un coup de main. Oh, je me suis téléporté, là. C'était littéral. Il y en a qui vont arriver sur les passerelles. Couvre celle de gauche, je couvre celle de droite. Là, il y en a qui arrivent à gauche, je m'en occupe. Mais personne de mon côté. Non, mais ils vont arriver des deux côtés après, t'inquiète. Il faut savoir que j'ai un rhume, les amis. Une angine. Là, il y en a des deux côtés, à toi de jouer aussi, mon cochon. Je m'occupe de ceux-là. C'est que des qui explosent. Oh, c'est beau ce qu'on a fait. Monter en niveau, mon cochon. Ouais. Très joli. Oh la vache, y'en a qui remontent. Boum. Oh ouais, vous affrontez un ranger. Les gobelins porteurs de feu. Ouh. Tourne dans ton face, ma salope. Décapité. Sur les passerelles, il y en a qui arrivent. Oh la vache. Oh. Putain, mais il y en a trop là. Ceux-là, on les avait jamais vus des comme ça pour l'instant. Tiens! Oh putain, ça va pas... il va péter! Tire-toi de là, mon cochon! Putain, il m'a pété la gueule! Putain, je vais bientôt crever si ça continue! Je m'en occupe! Il est pas fini. Reste dans le sanctuaire. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ah, ils sont un peu mieux ces sanctuaires, ils nous soignent un peu plus. Ah bah vous êtes là les gars, vous en avez mis du temps. Bah vous faisiez quoi? On se touchait la nouille. Bah oui. Attends, y'a pas des trucs là? Non, c'est bon. On continue. Non, ça pue du cul. Oh là, ça pue du cul ça. Ouais, bon, ça, c'est très bon, ça, mon cochon. Il faut y penser. Ouais. Les caisses... Oh, y'a un magasin! D'abord, on farme l'endroit. Histoire de rien oublier. Y'a pas de secret. J'en vois pas. Moi non plus. À toi, les tiens, ils sont que pour toi. Alors, acheter... Le casque, j'ai mieux. Ah, des épaulières, elles sont mieux celles-là.
Je prends. Arme des collines du Nord. 400. Putain, j'ai pas de fric en fait, moi. Ouais, moi non plus, il faut qu'on vende des trucs. On a dû récupérer un bon... Je vais vendre avant de... Ça, je vends. Ah, épée de guerre de tireur à l'arc. Oh là là, il me la faut celle-ci. Mais je vais vendre des objets. Maître du savoir uniquement, on s'en fout. Assiette décorative, je vends. Je suis à poil, mon cochon. Ah, j'ai un arc. Ah oui, mais tu m'avais dit que t'avais mieux. Les armes, je vends tout sauf mon épée. Les bottes, je vends tout sauf les miennes. Parfait, j'ai un peu de fric, du coup. Mes gantelets, c'est ce que j'ai, donc c'est pas grave. Sceptre en argent. Un peu, un poil mieux que la mienne. J'ai pas d'épée, moi, mon cochon. J'aurais pas de nouvelle épée, moi. Elfstone de résistance. Ah, pour le coup, là, putain, la vache, qu'est-ce que j'en ai? On a un peu d'objets de butin. Boum. Là, il me reste un truc, hop. Je vais me rhabiller puisque j'ai enlevé presque tout mon équipement. Mes nouvelles épaulières, oh, elles ont la classe. Ma nouvelle armure. Champion uniquement, putain. Quoi, champion uniquement? Protège épaule de tireur à l'arc. C'est ce que j'ai. C'est ce que je viens de m'acheter, donc c'est bon, t'inquiète pas. Aubert d'Artendin. Non. Oh, pourtant, elle est stylée. Je la prends. Si t'as une épée à deux mains, mon cochon, pour moi, je t'invite à la prendre aussi. Parce que moi, j'ai pu m'acheter que des haches, pratiquement. Et un bouclier, je pouvais acheter. Pas d'épée à deux mains, pour moi. J'ai une épée à deux mains, si tu veux. Pour toi. Bah, tu me montreras ça. Attends. Je vais m'équiper ma nouvelle épée, on va voir si c'est la classe de l'infini. Alors, on a ma nouvelle épée. Voilà. Tu la vois, là? Ouais, je la vois, c'est une épée à moitié elfique. Ça a la classe. Alors, je vais te dire si c'est mieux que ce que j'ai. Non, elle est moins bien que ce que j'ai. Je vais garder celle que j'ai pour l'instant. On y va? C'est parti. On y va. Ah là, attends, là. Oh, y a un truc pour moi, là. Un secret. Ouh. Hache des collines du Nord. 230 pièces pour moi. Alors, qu'avons-nous là-haut? Un levier, mais on l'ouvrira qu'à la fin, mon cochon. Ramassons tout le matos qu'il y a à ramasser. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, des caisses.